à 32 ans, joueur américain s'est regardé là, pour aller jouer pour Haïti. Actuellement là, c'est une histoire qui a fait un pile parler côté joueur ça en 2014, t'es refusé de jouer pour Haïti, aller jouer pour États-Unis et qu'on a retourné jouer pour Haïti. Parce que il fait partie de présélectionné sélection nationale là pour Gold Cup 2023. Et bien, je dis à nous, elle présente au joueur ça, explique au ça qui t'est passé qui fait les pas jouer pour Haïti et ça qui fait le retourner dans la sélection nationale là. Nous avons déjà parlé de lui sur chaîne YouTube nous, donc si vous pouvez faire ça, à l'abonner, Konya, nous c'est Haïti Football Stats. Activez la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos nous et pas négliger, follow nous sur toutes nos plateformes, Instagram, Facebook, Twitter, Napton, tout le monde. Tout le monde, c'est Fafa Picoult. Il fait 23 février 1991 à New York de parents haïtiens. Il est un attaquant et les mesure 1m71. Depuis tout petit, il aimait jouer au football. C'est ça qu'il fait en 2006. Il a eu une opportunité à évoluer dans Cagliari en Italie ensemble avec l'équipe jeune. Après 5 ans passés dans l'Académie, en 2011, il a retourné aux États-Unis. Côté de l'étape évolué ensemble avec Tampa Bay, la 2e division. Après ça, en 2014, il a appelé dans Fort Lauderdale. Et c'est la même année, en septembre 2014, qu'il a eu une première convocation en sélection nationale. Manco a fait appel à elle pour un match amical qui a fait face avec Chili. Malheureusement, que Grenadier a perdu 1-0. Fafa Picoult a commencé sous banc. Et d'après rumeurs qui sont sorties, il a décidé de ne pas monter sous terre. Pour qui ça? Motif là était simple. Il n'a pas de perdre de chance pour jouer pour États-Unis un jour. En janvier 2015, il rejoint Sparta Prague, donc la première division tchèque en Europe. Après ça, il a rejoint Saint-Pauli en Allemagne. Et c'est là que le rêve d'avoir réalisé. Parce que en mai 2016, il a rejoint la première convocation avec États-Unis. Pour un match ensemble avec États-Unis, c'était face avec Puerto Rico, qui a été battu 1-0. Il a joué 19 minutes un match ça parce qu'il a commencé souvent. Après le match, il a battu la sélection encore. Il est venu retourner dans le pays, côté de te rejoindre Philadelphia, dans la MLS. Deux ans après la première convocation, il est après la junior, deuxième convocation, et il a joué un match encore ensemble avec les États-Unis face avec Colombie. Mais après ça, un an encore, il ne va jamais recevoir l'autre convocation en sélection nationale. En club, il est venu quitter Philadelphie, il a rejoint Dallas FC, après ça, il est allé dans Houston Dynamo, et actuellement là, et dans Nashville, toujours dans MLS. Donc, qui ça fait le retour dans la sélection nationale là, après deux matchs amicaux que joue ensemble avec les États-Unis? Règle est simple. Un joueur qui jouait pour la sélection nationale, déjà, nous connaissons pour ça le théâtre, quand on joue pour la sélection nationale, ou pas bien doit changer de sélection. Mais on vient ranger avec ça. Ou bien doit jouer pour une sélection, dépiqué ou pas fait. En pile match, depuis que ces matchs que jouer ce match amical que vous avez seulement, ou bien doit changer sélection nationale. Ça qui c'est une bonne nouvelle pour Fafa Picoult. Et ce n'est pas le seul joueur d'origine haïtienne qui est dans la situation. Il y a Anes Del Quato qui est dans le jeu ensemble avec Belgique, qui est dans la même situation, qui est capable de changer sélection et venir jouer pour Haïti. Mais moi, mais ça, c'était fait contre Jean-Jacques Béan dans cette sélection nationale là. Et le comité de normalisation a fait le choix de Pellegrino pour entraîner la sélection nationale. Là. Et entraîner ça qui veut améliorer la sélection nationale là, à la recherche de joueurs d'origine. Et c'est là que les convainc Fafa Picoult au jeune sélection nationale. Là. Ça qui n'est pas trop difficile parce que Fafa Picoult a envie de retourner dans la sélection nationale. Là. Fafa Picoult, c'est un joueur qui a habitué de faire une belle saison à MLS. Là. Il a fini ses jours des fois à 10 goals et en pile pas décisif tout. Donc ça, moi pense que c'est un atout pour la sélection nationale là. Parlez-nous dans les commentaires, ça nous pense que le choix Fafa Picoult là. Nous connaissons un pile haïtien qui paraît des mouvements, qui paraît des haïtiens, ou rejeter pays. Mais est-ce que nous pas penser que c'est un bon choix pour la sélection nationale là? M'attendez dans les commentaires, pas négliger, abonnez à la chaîne là. Partagez la vidéo, abonnez à toute plateforme pour ne pas rater les prochaines vidéos. Surtout Instagram, nous retournons sur Instagram après quelques mois d'absence. Nous avons perdu le compte à 7000 abonnés qu'on a nous retourner. Nous souhaitons tout le monde retourner en full abonné à la page là. Nous attendons tout le monde.
Merci parce que nous t'avons été jusqu'à la fin de la vidéo. Ça va aider à nous penser. Et puis, il m'a dit nous à la prochaine pour l'autre vidéo.